Quelque chose de formidable. Merci de vous être donné rendez-vous ce matin dans l'église. C'est une journée spéciale, c'est la journée de l'investiture. Les efforts des jeunes et des animateurs vont être récompensés publiquement par cette cérémonie officielle. Merci aux responsables de la jeunesse de la Fédération de faire partie de l'audience avec son épouse et sa famille. Merci au prédicateur qui sera présenté par la suite. Puisse le Seigneur, lors de cette présentation, lors de cette cérémonie, se manifester et vous parler au cœur. Soyez tous les bienvenus. Avec le chant Majesté dans le Donnez-lui gloire 175. À toutes et à tous, bon ça va. C'est un réel plaisir de voir autant de jeunes en bleu ce matin.
Et c'est encore plus un plaisir aujourd'hui pour moi de vous présenter le chef guide qui a accepté d'officier cette cérémonie, qui n'est pas plus que Ruben de Abreu. J'espère que j'ai bien prononcé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le président de notre union, donc la France, la Belgique et le Luxembourg. Et c'est également un chef guide. Et donc, comme il participe à la GIA, il a également un totem qui est Buffle. Donc, nous souhaitons une bienvenue, Buffle. Merci beaucoup d'être venu. Et je ne vais pas plus tarder pour le laisser partager son serment et je vous souhaite que cela puisse nous être d'une grande aide dans nos vies, chacun d'entre nous. Amen. Il n'y a rien qui m'énerve de plus que quand on dit que la jeunesse, c'est le futur de l'Église. Quand c'est comme ça, on a tout détruit. La jeunesse, c'est le présent de l'Église et vous avez un présent souriant par toute cette vague bleue que j'ai devant moi. Et le Seigneur est bon pour cela. Et c'est pour ça que c'est surtout à vous, les plus jeunes, que ce matin, je veux m'adresser. Et donc, je commence par une histoire. C'était une fois, toutes les histoires commencent comme ça, et celle-là, c'était une fois qu'une poule trouva un œuf et se mit à le couver. C'était pas le sien. Elle le trouva comme ça, mais son instinct maternel l'a fait qu'elle a pris immédiatement cet œuf. Mais elle ne le savait pas, c'était un œuf plus grand que les œufs de poule, c'était un œuf d'aigle. Et juste un œuf qu'elle, avec d'autres, avec tous les soins nécessaires, a commencé à couver pendant des jours et des jours, à lui fournir la chaleur nécessaire, les tourner de manière habituelle pour qu'il puisse éclore. Et le temps passa. Et le moment de l'éclosion est arrivé. La mère poule a eu une terrible surprise. Son poussin, il n'était ni jaune, ni pareil aux autres poussins. La couleur, ses plumes, sa taille, il était très articulé à marcher. Même son bec, il ne ressemblait à rien. Elle se disait, même avec un petit peu d'honte, « Ouais, il est un petit peu anormal, mais toutes les familles ont de temps en temps une personne un peu étrange. Eh ben, c'est tombé sur moi cette fois-ci. » Chaque jour qui passait, le poussin aigle avait des difficultés d'adaptation au poulailler parce qu'il était différent. Ses ailes étaient tellement grandes que quand il essayait de jouer, il heurtait tout le temps les autres et leur faisait du mal. Son bec avait une forme si tordue comparé aux autres poussins qu'il ne pouvait pas manger les grains de maïs parce qu'il ne pouvait pas piquer par terre comme les autres. Et pour dormir, ah, c'était toute une autre gymnastique. Parce que ses pattes étaient bien plus grandes et ses ongles, qui étaient des énormes griffes, ne le permettaient pas de se tenir debout dans le poulailler. Et à chaque fois que sur cette barrette, il essayait de gripper, bah, il roulait et puis restait la tête en bas. Et donc, il a passé longtemps à dormir par terre. Mais finalement, il a grandi. Un peu comme certains d'entre vous déjà qui commencent avec l'arrivée du printemps à penser aux fiançailles et à regarder de l'autre côté. Quelle confusion! Il ne pouvait même pas chanter comme un coq. Alors, même les petites poules, les poulettes, elles commençaient à chuchoter contre lui, « Oh, regarde comme il est différent !» Elles se moquaient de lui. Les petits coqs l'appelaient de Quasimodo, le monstre laid. Et il était triste. Il restait souvent dans son coin, il essayait de s'intégrer dans la société du poulailler. Mais
Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il aimait regarder le ciel. Quand il voyait les petits carreaux du poulailler, du grillage du poulailler, il regardait vers le ciel et comme il disait, oh, cette immensité, ah, si je pouvais être libre. Et un jour, il voit ce puissant oiseau voler au-delà, à déchirer le ciel avec sa prestance et ses ailes étendues. Et il disait, quel oiseau magnifique! Comment j'aimerais pouvoir voler comme lui? C'est alors que la mère poule, presque en entendant les pensées silencieuses de son fils un peu dégringolé, elle lui dit, tu sais, c'est le plus beau, le plus bel oiseau de tous, c'est le plus fort, c'est un aigle. Alors l'aigle du poulailler dit tristement, comment j'aimerais être comme elle. Voler, déchirer les cieux et partir en toute liberté. Et sa mère, avec fermeté, comme seulement les mamans savent le faire, elle lui dit, mon petit, c'est impossible. Toi, tu es une poule et en plus, la plus étrange du poulailler. Les années passèrent et il devient un vieil oiseau. Les plumes deviennent blanches comme ma barbe et il devient même gros comme un dindon de Noël. Ses rêves sont partis, n'étaient plus là. Et il meurt dans le poulailler. J'ai entendu cette histoire il y a plus de 40 ans. J'étais moi assis comme vous en bleu. C'était un autre bleu. J'ai vu par là des chemises avec un bleu bien plus clair, et là-bas au fond, il y en a une, c'était ce bleu clair, très pâle. Et je l'ai entendu de la voix du pasteur John Grass. Et peut-être comme vous, je suis resté frustré. J'avais entendu tant d'histoires que j'ai gardées dans ma mémoire, dans mes collections d'histoires de tous les coins du monde. Mais toutes les histoires se terminaient mieux. Je voulais que quelqu'un vienne juste à côté de cet aigle, à côté de ce poulailler, et lui dise, mais tu n'es pas une poule, tu es une aigle, vole, prends de l'envol, assume tes capacités. Tu as une valeur incroyable. Vous rappelez du texte que nous avons lu? Prenez vos Bibles dans le texte d'Ésaïe chapitre 43 et si vous lisez le verset tout de suite après, le verset 5, il commence comme ça. « Car tu es précieux à mes yeux, tu as du prix à mes yeux. » Vous savez qui le dit? La personne la plus importante de l'univers. Celui qui vous connaît le mieux, celui qui vous a créé, le Christ. Et il le dit, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance pour moi. Tu n'es pas pour moi comme une aigle de poulailler. Mais pourtant, combien de fois j'ai entendu même des papas dire à des enfants, mais t'es un bon à rien. Mais tu ne fais rien de bien. Il y a quelques années, j'étais avec ce jeune homme. Il avait 13 ans à l'époque. Est-ce que quelqu'un a 13 ans ici? Voilà. En plus, c'est vrai, tout à l'heure, tu me l'avais dit. Non, ta mère me l'avait dit. C'est très bien. Et on discutait comme ça autour d'un feu de camp. Et il me disait, mais je ne sais pas pourquoi on m'a demandé d'être le chef de troupe de mon groupe. Ma maman, elle m'a toujours dit que
Moi, j'amenais jamais rien à bout. Et moi, j'ai pensé à nouveau à cette histoire et je disais, mais comment ? Comment des fois, et là je me tourne vers les adultes, comment des fois, avec des phrases que nous avons tellement dans notre tête, nous brisons et nous rendons des aigles extraordinaires dans des poules grasses comme des dindes de Noël. Ce n'est pas le propos de Dieu. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse, dans l'ordre de la Bible. C'est quel livre celui-là? Oui, c'est le premier. Le troisième chapitre de la Bible, donc, les versets 1 à 6. Et je lis rapidement dans la traduction « Parole de vie ». Juste pour que vous compreniez, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu a fait. Il demande à la femme, « Alors Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits de toutes les arbres du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger de tous les fruits des arbres du jardin. » Mais Dieu a dit ceci à propos du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. « Vous ne devez pas en manger, vous ne devez même pas le toucher. Si vous le faites, vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme voit que le fruit de l'arbre est bon à manger et agréable à regarder. De plus, cet arbre donne envie de devenir sage. Alors, elle cueille un des fruits et elle en mange. Elle en donne aussi à son mari qui est avec elle et elle en mange. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. C'est le grand cri de liberté qui transforma l'homme en esclave. Oui, l'ennemi a changé le sens de la vie. Dieu avait créé l'homme, il vous a créé pour être ses amis, pour être ses enfants, pour être proche avec lui tous les jours. À la fin de la journée, et nous avons des rituels extraordinaires et aujourd'hui nous allons vivre un de ces rituels. Nous avons besoin de gestes. Bah, vous voyez par exemple, avant de manger, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prie. Avant d'ouvrir la Bible, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prie aussi. Nous avons ces gestes de rituel, d'obligation qui nous rapportent, qui nous ramènent à la proximité avec Dieu. Et là, c'était pareil. Quand vous prenez le livre de la Genèse, vous allez voir qu'à la fin de la journée, chaque jour, quand le soleil descend et la lune monte, Adam et Ève y venaient et se rejoignaient avec Dieu. Ils avaient la liberté tout le temps. Le Seigneur les valorisait par cette rencontre, parce qu'il les aimait tellement qu'il voulait qu'ils soient l'un tout proche de l'autre. Ah oui, mais ce n'était pas le propos de l'ennemi. Il ne voulait pas ça. Il leur dit, oui, mais si vous connaissez autant que de Dieu, vous pourrez être libre. Vous serez encore plus grand, vous serez encore plus proche de la réalité de vos origines. Le verset 7 de ce même texte, chapitre 3 de la Genèse, il dit « Alors leurs yeux, à tous les deux, ils sont ouverts. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils s'attachent des feuilles de figuier ensemble et ils en font des caches. » Le soir, ils entendent le Seigneur Dieu se promener dans le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachent parmi les arbres du jardin pour échapper à Dieu. Vous avez vu les conséquences? Tous les jours, Dieu y venait. Ce jour-là, parce qu'ils ont choisi de ne plus être en confiance avec Dieu, ne plus être dans la valeur que Dieu leur attribuait, ah ben ils ont peur, ils n'étaient pas au rendez-vous. Mais le texte nous dit que Dieu est quand même venu à leur rencontre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Vous avez vu ce que j'ai lu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés parce qu'ils ont peur. Ce qu'ils pensaient qui était la liberté, ce qu'ils pensaient qui allait leur rendre encore plus grand, encore plus fier, au contraire, les a éloignés de leur origine. Dieu vous a créés par l'ordre naturel des choses à vouloir être meilleur, à vouloir améliorer, à vouloir avoir un esprit d'excellence dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Mais attention, cela ne veut pas dire d'être en compétition avec les autres, être meilleur que les autres. Non, être en compétition surtout avec soi-même, son potentiel. Si je peux avoir un résultat de 20 sur 20, pourquoi je vais me contenter à avoir juste le 10 pour réussir à passer, c'est ce que j'ai besoin, je ne vais pas m'efforcer plus. Oui, l'image que nous donnons de Dieu, c'est aussi dans Dieu que ne nous a pas donné les capacités pour être plus grand et plus excellent. Oui, cependant, aujourd'hui, l'ennemi Satan, il veut vous faire croire. Des fois, même par des gens proches de nous, que vous êtes comme une poule de poulailler. Mais la personne, comme un aigle de poulailler, mais la personne la plus importante de l'univers, qui est le Christ, elle vous dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as un capital, un potentiel énorme d'excellence. Le Seigneur t'a créé pour être ses enfants, son enfant, sa fille, son fils, pour être excellent. Mais l'échec, ça fait partie de la vie. En tout cas, de la vie sur cette terre. Et vous savez, on apprend plus avec un échec, si nous sommes attentifs, qu'avec un succès. Parce qu'avec un succès, si j'ai eu 20 sur 20, je sais tout. J'ai pas besoin d'étudier plus. Mais si je me suis efforcé et j'ai pas réussi à faire comme je l'imaginais, je vais tout revoir. Mais pourquoi? Où est-ce que j'ai pas bien fait? Et ça va m'aider à que la prochaine fois, je vais être encore mieux. Je veux vous parler d'un homme, qui m'a inspiré. J'ai lu plusieurs de ses biographies, même si je ne l'ai pas connu. On l'a appelé l'homme aux 23 échecs. À 31 ans, il a fait faillite. Il avait plus un sou pour soutenir sa famille. À 32 ans, il a été battu aux élections législatives. À nouveau, à 34 ans, il a essayé de se présenter pour être gouverneur d'un État aux États-Unis et il a perdu. À 35 ans, sa fiancée, elle meurt. À 36 ans, il souffre d'une dépression nerveuse. À 38 ans, il était quand même décidé, il s'est présenté cette fois-ci aux élections municipales. Et vous savez quel était le résultat? Il a perdu. Et puisqu'il ne désistait pas, à 43 ans, il s'est battu pour être élu comme membre du Congrès des États-Unis. Quel a été le résultat? Il a perdu. À 55 ans, il s'est dit, si je n'ai pas réussi à être maire, si je n'ai pas réussi à être gouverneur, à être membre du Congrès, peut-être que je serai sénateur. Vous savez quel a été le résultat? Il a perdu. À 56 ans, il s'est dit, je vais me présenter aux élections des États-Unis pour être vice-président. Vous savez quel a été le résultat? Il n'a même pas été accepté. À 58 ans, il s'est dit, je vais à nouveau tenter être sénateur. Vous savez le résultat? Il a échoué à nouveau. À 60 ans, l'année prochaine, c'est mon âge.
60 ans, il s'est dit, j'ai rien réussi du reste, je vais essayer de me présenter pour être président des États-Unis. Et vous savez quel a été le résultat? Cette fois-ci, il a été élu. Et à 60 ans, Abraham Lincoln a été connu comme l'homme aux 23 défaites, mais qui a marqué l'histoire de son temps en appelant Monsieur le Président qui avait changé la manière de voir les êtres humains en rendant libres et ramenant les Américains à être ensemble. L'autre homme que m'a été introduit par mon père avec un livre qu'il m'a offert s'appelle Thomas Edison. Et Thomas Edison, si nous sommes là aujourd'hui avec ces lampes et même la nuit nous pouvons voir comme si c'était le jour, c'est grâce à lui. Mais quand à 9999e, ah oui, j'ai dit à la française, bon, vous avez compris, fois, il a tenté de créer la lampe, l'ampoule électrique et il a échoué. Il y a quelqu'un qui s'est tourné vers lui, qui travaillait dans son laboratoire, il lui dit, mais vous allez encore essayer d'échouer une dixième, millième fois, 10 000 fois. Il a commencé à sourire et il a dit, vous savez, j'ai jamais échoué. Et l'autre, il lui dit, comment ça fait 9999 fois que vous avez essayé, vous n'avez pas trouvé comment on fait la lampe aux ampoules. Il aura dit, oui, je sais bien, mais j'ai découvert 9999 fois comment on n'invente pas la lampe électrique. Vous voyez, la manière de penser, ça change le tout. Vous êtes créé pour l'excellence. Nous avons le besoin et le devoir de travailler en quête d'excellence. Parce que ce que le Christ fait dans ta vie, c'est de transformer un candidat à la mort par le péché en candidat au salut et au royaume du ciel par sa vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans la carte aux Philippiens, il peut dire, oui, je considère tout le reste comme perte, parce que le bien supérieur, c'est connaître Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a l'autorité de parler d'excellence de la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous et la motivation que j'ai pour vous, c'est que le Christ puisse être la motivation de tout ce que vous faites et que vous puissiez comprendre au combien vous avez de la valeur. Dieu t'appelle à être précieux entre ses mains. J'ai commencé par une histoire et je termine par une histoire. Il s'appelait Ray Whitsand. C'était un minéralogiste. Vous savez ce que c'est, un minéralogiste? C'est quoi? Vous avez ChatGPT, vous cherchez à la maison. Hein? Après, un minéralogiste, c'est tout simplement quelqu'un qui étudie les pierres, les rochers. Et lui, c'était complètement fada que le grenier de sa maison, sa femme n'avait peur que d'une chose, que le plafond lui tombe sur la tête, comme les Gaulois de chez Astérix. Mais lui, en vérité, parce que toutes les pierres qu'il trouvait partout, il amenait et il avait une grande exposition de pierres dans son grenier. Et il fréquentait tous les marchés, toutes les foires, les rencontres de minéralogistes partout aux États-Unis. Et ce jour-là, il arrive dans ce marché et il y a une boîte, un panier avec plein de pierres dedans et un écriteau qui disait n'importe laquelle à $1. Il regarde juste comme ça, il appelle le propriétaire, il lui dit t'es sûr?
1 dollar? Il lui dit, oui, elles sont là depuis tellement de temps que personne ne les veut. Je te fais 2 à 1 dollar. Lui, il met la main, il prend une pierre qui était sans aucune forme particulière, noire. Mais que quand il l'a mis comme ça dans la peau de sa main, il commence à la serrer. Le propriétaire le regarde. Il ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Il répète à l'autre et lui dit, « T'es sûr que tu veux me vendre une pierre pour 1 dollar ?» L'autre le regarde et dit, « Si tu ne me donnes pas 1 dollar, je te donne même la pierre. » Il lui a donné le premier billet qu'il avait, 20 dollars. Il lui a donné 20 dollars pour la pierre. Et l'autre était tout content, mais tout joyeux, parce qu'il lui avait donné 20 dollars quand il voulait juste 1 dollar. Et à ce moment-là, il ouvre sa main. Et cette pierre, vous rappelez, qui était toute noire, quand il ouvre sa main, on dirait un arc-en-ciel qu'il y avait dedans. Parce que c'était une des pierres les plus rares. Et c'est une pierre qu'elle est tout noire quand elle a froid. Mais quand on la prend à la chaleur de la main humaine, elle se transforme et elle montre ce qu'il y a à son intérieur. Cette pierre a été évaluée après à plusieurs millions de dollars. L'importance, ce n'est pas uniquement le regard des autres. Parce que le regard des autres peut être un regard de quelqu'un qui ne comprend pas. Mais entre les mains de Dieu, entre les mains de celui qui t'aime, qui te connaît, de celui qui est capable de voir le potentiel que tu as, tu deviens cette pierre qui est rayonnante. Parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il veut que tu sois un citoyen de l'éternité. Amen. Entourez-moi, je n'ai pas peur.
j'aimerais donner mon témoignage. J'ai été invité, c'est moi qui gère le temps, donc... Si aujourd'hui, j'ai fait mon parcours dans l'Église, si un jour j'ai décidé de rendre mon cœur à Jésus par le baptême, si par la même époque j'ai décidé de consacrer ma vie par le pastorat, si aujourd'hui, malgré les défis de l'administration de l'Église, je reste motivé, encouragé dans cette vocation, c'est parce tout que j'ai pu expérimenter au sein de la GIA. Des fois, vous pouvez penser que ces moments sont des moments d'entretien, des moments de folklore, de joie. Ils le sont aussi, mais ce sont des pas d'engagement qui aident à construire la vie de ces jeunes aujourd'hui et dans l'Église. Et le Seigneur vous rend cette joie de pouvoir participer à l'évolution, à la croissance et à ses engagements. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur joyeux que nous voulons remercier le Seigneur pour les offrandes, mais aussi pour tous ces jeunes, et que je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Oui, Seigneur, tu nous connais si bien. Tu nous prends entre tes mains et tu nous fais sentir l'importance et le prix que tu as donné à chacune de ces vies qui sont là, parce que tu vois en eux le capital d'être bien investi afin d'arriver à être citoyen de l'éternité. Et je te prie que tu sois avec chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, chaque animateur, que tu sur eux, tu oignes de ton esprit et que tu puisses les protéger et entourer par tes anges. Mais aussi, Père, que tu sois avec les familles qu'on représente. Parce que dans ce monde où des fois nous avons du mal à rester ensemble, tu appelles les familles à avoir un rôle important. Et nous te demandons qu'elles puissent être bénies et soutenues par toi. Mais aussi, je te prie que tu puisses bénir ces offrandes et cette Église, qu'elle garde bien devant ses yeux l'objectif de la mission et de l'engagement avec toi. Pour le reste, mes frères, chers jeunes, partagez les joies du salut. Engagez-vous avec vos semblables ici et maintenant dans cette société par la force de l'esprit. Réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous les uns aux autres, vivez en paix, que le Dieu de l'amour et de la paix, il sera toujours avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous dehors et jusqu'à son retour. Amen. Nous allons inviter nos jeunes en bleu à sortir les premiers, à descendre et après les autres pourront continuer.